Vieux Makoso, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle tu vas regarder ma vidéo. Vieux père, je suis ici pour m'adresser à toi, pas pour te manquer du respect. Mais quand un enfant se lève pour dire la vérité à son grand frère, c'est qu'il aime son grand frère. Et je suis un fils d'Afrique et je suis beaucoup fier de la couleur que Dieu m'a donnée, la couleur de ma peau. Je lui ai dit, toi, tu es venu t'asseoir à la télé et tu dis aux yeux de tous que toi, tu n'aimes pas les coins où il y a beaucoup de noirs. Toi, tu ne fréquentes pas les coins où il y a beaucoup de noirs à cause de l'événement d'Aputu National. Parce que nous étions tous les noirs, donc toi, tu n'as rien à voir là-bas. Vieux père, c'est un peu honteux pour moi parce que tu ne réfléchis pas trop avant de faire sortir des propos. Toi, quand tu organises tes événements au Burkina Faso ici, là, c'est des blancs qui remplissent la salle. Quand tu organises tes événements au Bénin ici, là, ce sont des blancs qui viennent remplir la salle. Ce sont tous des noirs. On a tous les mêmes couleurs de peau. C'est les mêmes personnes comme toi qui viennent remplir la salle. Aujourd'hui, toi, tu viens t'asseoir pour dire aux gens que ouais, toi, tu ne fréquentes pas les coins où il y a beaucoup de noirs. Même Paris, France, qui est pour blancs, là. Quand toi, tu organises tes événements là-bas, quand tu vas à Paris, là, qui vient remplir tes salles? Ce sont tous des noirs, ce sont tous des plaques. Et si toi, aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour manquer du respect à tes frères noirs, c'est vraiment honteux. C'est vraiment décourageant. Et ce n'est pas beau, ce n'est pas super de ta part. Il faut respecter les gens qui te donnent de l'argent. Respecte les gens qui viennent te donner de l'argent. Toi qui es en train de regarder cette vidéo-là, de grâce, il faut partager la vidéo pour que ça puisse arriver à son niveau. Vieux père, tu es trop concentré sur l'argent. Tu veux dire que tu aimes l'argent que tes frères et soeurs noirs. Tu veux dire que quand toi, tu organises tes trucs-là, si ce n'est pas à cause de l'argent-là, tu n'as pas le droit de fréquenter les noirs. Vieux, pour te dire une chose, personne n'est mieux que son prochain. Et la couleur de la peau que Dieu nous a offert là, on doit être fier de ça. On doit prendre soin de ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va quitter ailleurs pour venir apprécier ta peau à ta place. Toi-même, il faut entretenir ta peau. Sois fier de ta peau. C'est le plus important. Je suis un jeune Africain et je te parle en tant qu'un jeune Africain. Je ne te manque pas de respect. Mais ce qui est vérité là, attends-moi, je vais te le dire ici en même temps. Il n'y a pas midi 14 dedans. C'est la génération Thomas Sankara. Partagez la vidéo et abonnez-vous à ma page pour ne pas manquer du respect à quelqu'un. Tu es noir. Il faut fréquenter les coins où il y a les noirs. Tu n'es pas blanc. Même blanc, même qui est blanc, fréquente les lieux où il y a les noirs. Tu as aimé ma vidéo, non? Génération Thomas, il faut partager la vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à ma page. Il faut liker ma page. Voici ce qui me rend zo. C'est Adiogo Rosé. Mon visage qui est lisse là. C'est grâce à ça. Allez-y commander. Le numéro est sur la vidéo. Partagez, on est ensemble. Ciao.